Donc je lance le record, salut la bosse RAB, salut YouTube. Et du coup on se retrouve pour la suite de Moonlighter. Donc, et du coup comme vous pouvez le voir, on a bien avancé. On a fait une petite boutique, bon, on a la boutique au max. Et on va pouvoir faire le quatrième donjon. Donc au niveau du stuff, j'ai donc des gants de feu améliorés 3 fois, bandana de rang 3 et ça de rang 2. Donc les bottes anti-ci, il manque encore quelques items pour pouvoir améliorer mes bottes, mais tranquille. Et donc on a déjà fait les 3 premiers donjons. Et du coup là je vais faire le quatrième donjon. Et donc le techno donjon. Et ça c'est une découverte encore, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Et on y va. Donc le but du jeu pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros tu vas dans des donjons, tu récoltes des ressources, tu les revends ensuite, tu évalues le prix de vente de chacun des items. Et voilà. Donc, je suis dans le techno donjon, je connais pas trop les mots. Et je fais quand même assez mal. Je connais pas les patterns des mots. Oula, d'accord, donc lui fait mal. Ok. Donc, je vais me mettre dans son dos. Donc, il a l'air de faire extrêmement mal. Et vous pouvez voir en bas à gauche qu'ils avaient une map. Merde. Okay. J'ai pas énormément de PV, hein. J'ai pas énormément de farm ou quoi. Enfin, j'ai beaucoup de farm, mais j'ai que des trucs. Merde. Ça, je perds plein, c'est ok. On est pas trop le pattern des mobs, hein, pour le coup. Parfait. Les objets, pour l'instant je prends tout, hein. Les objets je prends tout, je verrai ça après. Non. Oh. Bon ça va, pour l'instant les mobs sont assez simples. J'ai pas regardé si en prenant le truc, donc en gros pour savoir quand il y a des trucs, en gros des fois tu peux tomber dans des trous et avoir des maps souterraines entre guillemets. En gros faut que tu regardes les trous, donc les trous en respawnant. Ah là, là il y avait un trou par exemple, j'ai vu qu'en haut à gauche ça brillait, donc je sais que si je tombe, je perds pas de vie. Et du coup, oh ça c'est parfait. Ça c'est parfait, donc je vais l'utiliser après, je vais faire tout le premier étage déjà. Donc dans chaque donjon il y a... Oh, c'est quoi ça? Wesh! Oh c'est bon. Il a pas perdu de vie. Mais... Je comprends pas. Ok, si c'est bon. Et en gros, le coffre que j'avais là. Bon, ça va, ils sont assez simples pour l'instant. Donc c'est ok. Oh, ça c'est chiant, ça fait très très mal. Ok, parfait. On y va. Ok, donc là il y a l'étage 2. Donc là on peut le voir, hein, il y a l'étage 2 juste à gauche. Non, c'est même pas l'étage 2 ça, c'est même pas l'étage 2 encore. Donc on peut regarder, là j'ai fait 67% pour l'instant du donjon. Donc je vais continuer d'explorer un peu le tout. J'aime trop ces jeux-là, c'est grave. Et je les détruis. Donc là je drop vraiment, en gros je bourre mon sac à fond. Parce qu'en gros dans l'étage spécial que j'ai eu là avec le point d'interrogation sur la map en bas à gauche, bah, je pourrais tout renvoyer à la maison grâce à ces coffres là, c'est OP. Oh merde. C'est pas évident hein. Ah je perds pas mal de vie, bêtement. Ok, ça va. C'est quoi le kiff de ce type de jeu? Moi j'aime trop, genre en gros c'est tu fais des donjons, c'est un roguelike et tu dois essayer de pas mourir, de farm au max, et le principe de merchandising, en gros de marchandage, on va dire, du jeu est trop bien. Genre tu dois évaluer toi-même la valeur de tes produits. Et je vous ai dit que j'allais jouer au fist et à l'arc, donc c'est exactement le build que j'ai fait. Et du coup je ne joue qu'avec ça, et je joue avec du build, comment dire, avec du stuff léger. Donc ce qui fait que j'ai pas énormément de vie, mais à côté, à contrario, bah je fais mal et je suis rapide. Okay, pas d'objet là-dessus, donc là c'est l'étage 2. Oh merde, un objet. Ah j'ai pas le temps de le prendre, fais chier. Donc là c'est l'étage 2, très bien. Je vais régénérer vite fait. Je vais essayer de faire l'étage 2 direct, donc on va essayer de faire au moins deux étages complets. Bon ça va être free hein. Voilà, parfait. Il n'y a rien drop, très bien, on continue.
Qu'est-ce qu'il me dit? Les gardiens, à ne pas confondre avec les gardes, non. Garde égale petit, gardien égale gigantesque. D'immenses créatures au fond du donjon, gardant d'immenses coffres. Je n'ai pas encore réussi à m'en approcher. Personne n'a encore réussi à vrai dire. Personne n'a encore vu le gardien du désert ou le techno-gardien. C'est un honneur qui me revient. Un point pour le fou. Je m'en demande quel trésor il cache là-bas. L'étrange créature orange ne semble s'intéresser qu'au gardien. Ok, bon écoute, super. Merci à toi pour ces informations. On enchaîne. Ça me fait penser à Binding of Isaac. C'est un roguelike, donc en gros oui, c'est un peu le délire, mais c'est pas exactement dans le... C'est pas exactement ça, quoi. Le Binding of Isaac, il y a plus de trucs, c'est un peu différent, il n'y a pas le principe de marchander les trucs. Du coup, c'est pas exactement pareil. Par contre, là, j'ai pas de potion. Oh merde! Oh, j'ai troll! Oh, j'ai pas fait de potion, en fait. Ouais! Ça fait que j'ai que deux potions. Donc là, en gros, ça ramène tout directement à la maison. Et comme ça, je pourrais revendre directement tout. Donc là, j'ai fait ça. Je vais donc aller directement à l'étage numéro 2, voir les mobs qu'il y a. Pour l'instant, l'étage numéro 1, ça va, c'était pas très très dur. Et du coup, on va essayer d'évaluer ensuite le prix des différents items, etc. Donc on y va. On compte le son de ta voix. Je peux pas augmenter le son de ma voix, je peux augmenter le gain. Donc je peux augmenter le truc. Donc là, la détection, vous entendrez plus facilement ma voix. Oh merde. Mais sinon, je peux pas augmenter. Attends, il le heal là, non? Il me semblait qu'il était en train de le heal. Je fais pas tant de dégâts que ça, lui. Ok, parfait. Donc j'ai un coffre que je vais ouvrir. Donc ça, c'est des objets que je ne connais pas. Donc en gros, c'est des objets de quête, mais je ne sais pas encore exactement c'est quels items. Donc, je continue d'avancer. Et regardez, des fois, genre... la map, parce que je vais avoir tendance à... Comment dire, zapper des trucs. Donc il y a des trucs que je vais, dont je vais passer à côté. Et du coup, bah ça va être un peu galère. Donc là, j'ai des trucs pour faire des grosses potions. Et couille, hein. Allez, putain. Meurs! Merci. Et des fois, je vais avoir tendance à pas regarder dans les trous. Par exemple, imaginons, il y avait des petites étincelles sur la map. Bah, j'aurais pu ne pas le voir et du coup, louper une map cachée, quoi, entre guillemets. Putain, il fait trop chier. Il fait mal en plus. J'ai que deux potions en plus, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident, sachant qu'il met des petits dots là depuis tout à l'heure là. Ça me saoule un peu là. Tu joues à la manette, ouais, je joue à la manette. Oh putain, je prends 70 là-dessus. Que j'arrive à le tuer lui. Il faut que j'équipe ma dernière potion. Une fois que j'aurai plus cette potion là, il faudra que je me tire. Genre je vais utiliser ma dernière potion. En gros je vais équiper celle-ci. Et une fois que j'aurai utilisé cette dernière potion, je ferai un retour à la boutique. Et comme ça je serai tranquille, quoi. Ok. J'étais joueur, je suis actuellement entouré de créatures pour me tuer. Donc oui, je suis joueur. Ces gardiens sont liés à la cinquième porte. Ok. 4 gardiens, 4 formes étranges, donc voilà, ça c'est les gros boss, quoi. Il me parle de gros qu'à chaque fois il y a des boss à chaque donjon, quoi. Super. La musique passe bien, mais la musique change. En gros, je trouve que les musiques sont trop bien. Parce que, en gros, selon les différents niveaux, eh bien t'as des musiques différentes. Attends, je me soigne vite fait. Pas que le tonne saute dessus. Non. Ok, donc j'ai tout pris. Attendez, donc là je vais retirer un malus de ça. Parce que j'ai des trucs que je peux stack ensemble. Je ne crois pas que j'ai des trucs que je puisse stack là pour l'instant. Non, tant pis. Ok, pas mal. On est bien. Ça a l'air très chiant ça. What? Oh. Juste le taper de long, hein. Oh, quoi, je vais le faire plus vite comme ça. Oh merde, j'ai perdu un 122 là-dessus. Oh, j'ai plus qu'une potion, hein, donc va falloir que je joue safe là. Mais putain de merde. Ok, donc les deux trucs sont liés en fait, je ne savais pas. J'ai plus qu'une potion, ça commence à devenir chaud là. Ça commence à devenir très très chaud. Ça je peux... Je les ris, je m'en fous, j'en ai déjà plein. Ça je peux retirer un malus d'un truc. Alors le seul problème c'est que les deux trucs que je peux retirer le malus...
En gros, c'est les deux mêmes, mais je peux pas encore les stack. Parce qu'en gros, bah celui-là, il a un malus, du coup je peux pas stack avec l'autre truc. Mais bref, vous me comprenez peut-être pas, mais c'est pas grave. Ah donc là, elle est à H3. Je pourrais pas aller à l'étage 3 maintenant. Ok, parfait. Ok, nickel. Donc là, j'ai l'étage 3, donc, où je ne vais pas encore aller. Je vais continuer de visiter vite fait l'étage 100% exploité. Mais que dalle, j'ai encore un truc là, en bas. C'est grave des mythos dans le jeu, hein. Ils mettent qu'il y a 100% d'exploité. Il y a giga pas 100% d'exploité, hein. Les menteurs. Et donc, va falloir que je fasse quelques potions pour le prochain... Les prochains mobs, pas d'étincelle ici. Oh non, je tombe comme une petite merde. Soit je peux faire ça comme ça. C'est plus tranquille. Oh. Non, non! NON! Quel gros connard je suis! Je perds tous mes objets, putain! Oh le con! Bon, tant pis. Mais est-ce que je garde les trucs que j'avais avant? Ah non, non, je veux pas faire ça par contre. J'ai troll, je retourne en ville. J'ai perdu beaucoup trop de vie, faut que je fasse des potions là, j'ai troll de ouf. Bon, c'est pas très grave. Ça me fait un peu chier parce que je pourrais pas évaluer le prix de tous les items. Mais bon. Putain! Quel connard j'ai grid, comme d'habitude! Toute ma vie je grid, c'est incroyable. C'est chier. Par contre, est-ce que les objets qui ont été envoyés au début, je les garde? Nice, je garde tout quand même ça. Ça me fait plaisir quand même de garder ça. Donc, hop. Donc je garde les trucs avec des étoiles parce que c'est ce qui me permet de faire des objets, tout simplement. Voilà, hop. Oh, j'ai grid de ouf. Quel con. Voilà, et du coup je vais vendre tout le reste, donc là je vais dormir vite fait. Je vais dormir vite fait pour estimer un peu le prix de vente de mes différents objets. Et on y va. Et tu vas ramasser pendant la frame, quoi. Ok, donc je vais essayer de demander des trucs. Donc ça, je sais, ça, je sais. Ça, je ne sais pas. Bouteille d'argon. On va estimer ça à 5000. Roc de Tanguzen. On va mettre ça à 4000. On va pas mettre ça très cher parce que je ne sais pas du tout. Bon, ça, c'est de la merde, ça. On a déjà. Ok, du mercure, ça doit se vendre cher. Donc là, on a des baguettes de soudure. Donc ça, ça doit se vendre à un petit prix, je pense. Film plastique, ça doit pas être très cher. Donc je vais mettre ça... Mais ça à 3000. Et le mercure, par contre, ça doit se vendre une petite fortune, je pense. Je vais tenter un 10 000. Je vais tenter un petit 10 000. C'est du grid, hein. Les mèches d'or. Oh, mèches d'or, ça doit se vendre une blinde. Mèches d'or, déjà, le truc s'appelle mèche d'or, gros. Si le truc se vend pas une blinde, c'est pas normal. Donc, bobine de Tustingen. Vas-y, 10 000. On va mettre ça. Et en gros, on va voir aux réactions des clients si le truc est trop cher. Donc, ça, on sait que c'était de la merde. Bobine Tesla. 10 000. Tesla, on sait que c'est cher. On connaît, hein. Monsieur Elon. Donc condensateur d'énergie, ça doit être cher, donc on va mettre ça à 10 000, et roc de... Le roc, j'en ai déjà mis à combien? J'en ai mis pas très cher, j'en ai mis à 2 000, hein. Non, j'en ai mis à 4 000. Ah non, c'était... Oui, ça, j'en ai mis à 4 000, donc je vais en mettre ici un peu plus cher pour voir, histoire de pas perdre de thunes si jamais ça coûte moins cher, et au pire, je redescendrai le prix. Donc je vais mettre à 6 000, et comme ça, on va voir. Donc là, on ouvre la boutique, et comme ça, on verra aux réactions des clients, voir si jamais il y a des trucs qui sont trop chers, des trucs qui sont pas assez chers, qu'on baisse directement le prix, etc., etc. Donc lui, il veut une quête, donc... Oh merde, j'aurais dû les garder ça. Tant pis, j'en avais pas 5, j'aurais pu gagner 80 000, mais bon, tant pis. Et donc là, c'est vraiment du... On découvre. Je sais pas du tout quel est le prix de chacun des trucs, donc on va tout découvrir. Donc on a un papy qui se balade tranquillement, hein, qui regarde le tout. Et regarde, des trucs d'or, 15 000 j'ai mis, hein. Trop cher, ok. Donc du coup, il faut que je baisse le prix de ces trucs-là, parce que c'était trop cher. Donc je vais mettre à 12 000. Du coup, comme ça, on regarde. Ça, j'ai mis à 10 000 pièces. Oh, j'ai mis cher quand même. J'ai abusé. Hein. 10 000 ça, 10 000 ça. Ok, trop cher, 10 000. 10 000, ok, pour l'autre. Ok. Tube électronique, ça, je ne sais pas. Tiens, je vais tenter un 10 000. Ça, c'était trop cher. Ici, c'était trop cher, le mercure. Donc, mercure trop cher. Donc, je vais mettre à 7 000, on verra. Donc, là, c'est quoi, ça? Ah. Ça, c'est pas mal. Donc, elle a acheté, mais déçue parce que c'était en mode, bon, je me fais un peu douiller. Il y a trop de trucs qui se passent. Oh, merde, j'ai vendu un prix d'or. Donc, ça, c'était trop cher. Donc, ça, je vais mettre à 10 000. Ça, à 4000, c'était pas assez cher, donc je vais augmenter le prix. Putain de merde, ça va trop vite. Donc ça, j'ai mis à 6000, donc à 4000, c'est pas assez cher. Voilà, on va vendre ça. Vendre ça. On se fait full thune, hein. Regardez notre thune en haut à gauche, on est millionnaire. Le million. Le million qui a été fait. Par contre, il y a un truc où il a été déçu. Je crois que celui-là, il a regardé.
Les baguettes au soudure, je crois que ça a été check et je crois que c'était pas c'était trop cher. Donc je vérifie. Là, genre, j'ai mis à 3000. Est-ce qu'il va prendre? C'est ok, c'est un prix raisonnable, 3000. Donc là, pour le mercure, 7000, c'est toujours trop cher. Je monte ça à 5000. Ok. J'ai mis les trucs d'or, là. Les trucs d'or, ça doit se vendre à un petit prix, quand même. Hein. Ah, le truc d'or, c'est trop cher, toi. Attends, reviens là. Ah, pas mal. Donc là, les deux trucs en bas, c'est trop cher. Donc... Attends, mais c'est de l'or, c'est des mèches d'or, gros. Tu te rends compte ou pas de ce que c'est? Et donc là, 10000, j'ai forcé aussi. Ouais, je mets à 7. Je mets à 7 et on verra. Mais il y a pas mal de trucs, genre j'ai un peu douillé les clients. C'est-à-dire qu'ils sont déçus, mais ils achètent. Oh, déçus, mais achetés. Mais il y en a plein de trucs où c'est déçus, mais achetés, hein, c'est bien. Il hein. Y a pas mal de trucs où je suis en train de douiller les clients, c'est un truc de fou là. Je vais mettre ça à 6700 pour qu'ils se soient déçus, mais achetés. On va voir. Donc là, j'ai mis à 7000 le truc en bas là. Est-ce qu'il va acheter? Ok, prix raisonnable, 7000. Et comme ça, après, tu sais pour tes prochaines ventes combien les items se vendent, etc. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc là, le tube. Ah, trop cher, ok. Donc ça, la batterie cassée, trop cher à 4000. Donc je la mets à 3000. Ici, eh, les trucs d'or. Toujours trop cher, sérieux? C'est même de l'or, hein. Je grid. Je veux gratter au maximum. Genre sur les mèches d'or, je veux gratter au maximum. Putain, non! Il est fou, lui! Il a voulu me voler mes mèches d'or, c'est un malade! C'est un fou, lui! Ok, prix raisonnable là-dessus. Ça, c'était trop cher à 5000. Donc je vais mettre à 4000 le mercure. Là, j'ai mis 10000, ça, c'est trop cher de ouf. Condensateur d'énergie, je vais mettre à 8. Ah, mais j'ai encore un truc à mettre en vente. Merde. Donc ça, je ne sais pas. Bouteille d'argon. 10000, allez, c'est bon. On tente le 10000, on grid le 10000 sur la bouteille d'argon. Putain, mais les mèches d'or, toujours trop cher. Ça, c'est quand même de l'or, hein. Donc je mets à 5100 pièces. Ah merde, il y a des mecs qui veulent me parler pour les quêtes. Notes. Oh, j'ai la flemme. Ça, c'est les quêtes de chiens, ça. Tube électronique, ça, c'est faisable, ça. Tiens. 5 tubes électroniques, c'est faisable. Allez, allez, achète-moi l'or. Putain. J'ai baissé quand même d'un sacré pactole, hein, depuis tout à l'heure. C'est les promos, hein. 8000, je sais pas si c'est... Oula. 8000, c'est trop cher aussi pour le truc d'en haut. Ça me fait chier. Bouteille d'argon, j'ai tenté un 10000, mais j'ai pas encore été check. Condensateur d'énergie, on va le mettre à 6000. Donc là, c'est le schéma en fait. Le but, c'est de dévaluer tes prix, tes produits, etc. et te faire des thunes et ensuite améliorer tes trucs. Ok, trop cher les deux. Putain. Pour les trucs d'or, 4000, c'est vraiment pas cher payé. Hein. Et le mercure, 4000, toujours trop cher. J'aime pas trop. Donc 6000, il va prendre. 6000, déçu mais acheté, parfait. Déçu mais acheté, c'est très très bien. Ah, donc là, prix raisonnable, ok. Donc là, on vend tout. Ok, donc 3100, c'était un prix raisonnable aussi pour les mèches d'or, là. Et donc, du coup, il manque plus que le mercure, hein. C'est ça? Enfin, que le mercure. Il manque plus que le mercure à vendre et à évaluer. Et ensuite, on pourra retourner dans le donjon et essayer de d'avancer tranquillement. Allez. Trop cher, putain, sérieux? Genre, c'est trop cher, c'est des fous, hein. Sinon, tu peux savoir par rapport à la liste d'objets dans la liste, ils sont classés par prix, ça donne une idée aussi. Ouais, mais je préfère évaluer moi-même. Genre, c'est plus sympa, tu vois. 2000. Oh, un peu cher, mais acheté. Donc là, on est sur pas mal de douilles. On a pas mal douillé les clients. Donc, on a fait pas mal de thunes, là, sur ce moment-là. On a fait quasiment 400 000. Donc, on a vendu tout ça. On a vendu pour 5... ouais, on a vendu pour 500 000. Et en gros, là, on peut voir les prix. Donc, ici, par exemple, donc là, je suis dans le quoi. Je suis dans le truc techno. Donc, voilà. Et du coup, j'ai vendu ça à 10 000, la bouteille d'argon. C'est parti. Le pistolet de soudage, donc ça c'est pour les quêtes, ça c'est pour les quêtes, enfin c'est pour mes items, donc j'ai pas encore vendu. Ça j'ai vendu 10000. Bobine de cuivre, ça c'est pour la quête. 7000 le tube électronique. Là c'était 4000, c'était pas assez cher. Enfin 4000 c'était trop peu cher. 8000 c'était une petite douille, donc je pense que le prix raisonnable c'est entre 6000 et 7000. Mais du coup je vais continuer à mettre à 8000 hein, pour douiller les clients. Très bien. Bobine Tesla, j'ai pas vendu. J'ai pas réussi à vendre ça. The fuck. Ok, très bien. Condensateur d'énergie, c'est parti à 6000, donc je pense qu'à 5000 c'est un prix raisonnable. 3000 c'est très bien pour les baguettes de soudure, batterie cassée 3000. Cap, j'ai pas vendu. Film plastique 3000 c'est parti, mais c'est un peu cher, donc 2500, 2000 ça doit être les prix. Mèche d'or, c'était à 3100 que c'était parti. C'était parti à 3100. Mercure à 2000 c'était parti, mais c'était un peu une douille. Éclat de cristaux, et voilà. Donc en gros, voilà. Et après, il nous reste quelques items à découvrir, comme on découvrira plus tard. Donc ok, je vais ranger les trucs dans mon coffre moi. Attendez, c'est dans celui-là, je crois que j'ai tout. Voilà. Et comme ça, je vais faire quelques potions, parce que là, je suis en rate de potions, donc je vais en faire une quinzaine, et je vais pouvoir enfin tout explorer, donc je pense que je vais tout faire. Attendez, est-ce que je peux faire des trucs encore? Magasin, le seul truc que je peux encore faire, c'est ça, donc on va le prendre.
Ok, on va faire des potions et on va retourner dans le donjon en espérant ne pas mourir parce que j'ai un peu troll là sur, sur ma mort là. Donc je peux en faire que 6. Ça coûte cher quand même. On va essayer 19 000. Donc ça me redonne toute la vie, mais je peux en faire 6 à 19 000. Oh, c'est trop cher. Ça me redonne 500, c'est toute ma vie. C'est bon, gros, je n'ai pas besoin de plus. Donc je vais en faire 6. Voilà, j'en ai 6. Je vais équiper. Merde. Ça me donne combien ça? J'ai troll là, je crois. Je crois que j'ai troll de ouf là. Ouais, j'ai troll de fou. J'ai pas fait les bonnes popos. Oh le con. Oh le con, j'ai pas fait les bonnes popos, j'ai fait celle-ci. Merde. Bon, tant pis. Et je peux encore en faire une comme ça, qui me redonne 500. Voilà, comme ça je vais équiper ça. Et les petites potions, bah gros, tant pis, hein. Je les garde quand même pour le donjon, mais j'ai un peu troll. J'ai un petit peu troll. Il y aura toujours Lunaria après, je crois pas. Je crois qu'après ils vont reprendre et Narcus va reprendre et Sharky prendra la nuit. Donc là en gros je meuble pour éviter qu'il n'y ait un temps mort toute la night là. Enfin, pendant une heure, le temps qu'ils allaient chercher à manger au KFC, je ne sais quoi, et qu'après qu'ils reviennent. Donc il y en avait facilement pour une heure le temps qu'ils mangent et tout. Et du coup, bah là, je prends quoi. Et oui, la musique du jeu est vraiment cool. Et si Narcus revient vers 23h30. Oh, tiens, là il y a peut-être un truc. Nice. Oh, mais j'ai pas le droit de me faire toucher par ça, j'ai pas le droit. Les objets, ça va faire c'est mieux ou quoi? Bon, ça je m'en fous, j'en ai déjà trop. Ok, donc ça c'est la fontaine pour me soigner, c'est quand même une bonne info de l'avoir dès le début. Putain, je crois que je reste là-dedans. Putain, la dot elle est énorme. Oh merde, c'est un mob ça. Je pensais que c'était genre les. Comment ça s'appelle? Donc là j'ai le donjon 2 déjà. Je vais continuer de fouiller un peu le donjon 1 pour continuer de trouver des petits objets, etc. Et ensuite, ensuite on partira directement dans le dans l'étage 2, pardon. Donc j'ai eu ça, c'est pas mal, hein. Donc lance infernale, ça doit se vendre un sacré pactole. Parce que je crois que c'est une arme de tier 3. Donc je pense que ça se vend facile 20 000. Ok, pas mal. Oh là. What the fuck? Il était pas mort? Mais... mais il sort d'où? Il fait respawn ou quoi? Oh, the fuck, j'ai perdu tellement de vie. Oh, putain, j'ai utilisé ça. C'est la petite potion que j'ai faite pour rien. Ok, pas mal. Ok, nice. Donc on est pas mal riche là, après je pourrais faire des enchantements, des armes et tout. Oh nice, ici je peux tomber. Parce qu'en gros si je tombe, j'ai vu que ça brillait. C'est bon, je suis un step-up. Dans ta mère, hop. Et là on peut tomber, on sait qu'il y a un petit truc, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Ah ça j'aime bien, ça fait pop une multitude de mobs à la suite, et en plus ça te débrouille les coffres. Ah donc là il est cramé, il est mort. Ah non. Ok, et tu peux faire plusieurs fois pour essayer de dévorer plusieurs coffres, ce qui est pas mal. Non, je l'ai réactivé, je suis un connard. J'ai pas eu le temps d'ouvrir le coffre, je suis un connard. Je suis un con. Et en gros, voilà, ça a été tellement casse. Oh merde. Ok. Je vais mettre les petites potes pour l'instant. Voilà, j'ai dévoilé ce coffre là. Donc là, je suis déjà full en objet, ça le problème. C'est que je suis déjà beaucoup trop chargé en items. Donc qu'est-ce qui se vendait pas de ouf? Genre, il doit y avoir des trucs qui se vendaient pas de fou. Donc ça, j'en ai déjà plein, je m'en branle. Voilà, parfait. Attends. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que je peux stack? Ça, je peux pas encore le stack parce qu'il faut que je retire la malédiction. Oh non, putain. Non mais putain. Pas mal, j'ai bien enchaîné. Ah, il me rend fou. Ah, il me rend fou. Là en plus c'est du coffre rare, donc là je peux plus le faire je crois. Donc voilà, c'est parfait. Et du coup ça, ça envoie directement un objet à la maison, donc ça c'est parfait. J'ai envoyé quoi à la maison? J'ai envoyé...
qu'on veut, quoi. On s'en fout en vrai de ce que j'en veux. Je vais envoyer ça. Et je vais envoyer ceci. Voilà, très bien. Comme ça, je peux reprendre ça. C'est pas mal. Est-ce que je peux réactiver encore? Je peux encore l'activer une fois. Donc, je vais utiliser les petites potions. Je vais équiper ça. Et là, on va avoir un coffre à armes. Là, ça va être un peu plus dur, non? Moi, c'est mes pièces secrètes préférées parce qu'il y a souvent des items partout. Enfin, le problème, c'est que c'est le plus dur, mais bon. On aime le challenge, nous. Nice. Allez, qu'un coup. Non, c'est pas cramé. Let's go. Donc là, non, dans le coffre là, il doit y avoir des trucs de fou là. Logiquement, il devrait y avoir des trucs cool. Ok. Ok, il y a pas mal d'items que je n'ai pas encore eu. Donc adaptateur AC, pistolet de soudage, batterie cellule triple. Ah ouais, non, mais gros, il y a trop de trucs là. Il y a trop de trucs que j'ai pas encore eu là. Une plastique, j'ai déjà eu, batterie cassée, j'ai déjà eu. Le mercure, c'était pas ouf, ça s'est pas vendu de fou, donc je vais le tège. Adaptateur AC, j'en ai déjà un. Pistolet de soudage, est-ce que j'en ai un? J'en ai pas encore. Donc je vais jeter la gelée riche parce qu'on s'en fout. Ça, je vais mettre ça là. L'adaptateur AC. Bon, attends, mais si, j'en ai un déjà là. Le truc, c'est qu'il faut bien ranger les trucs, quoi. Donc ça, bouteille d'argon, j'en ai déjà une, donc je vais garder ça. Parce que, en gros, les items que j'ai déjà, je m'en fous. Du coup, ça j'ai déjà, je connais déjà. Ça, c'était de la merde, c'est vrai. Ça, c'était vraiment de la merde. Donc, bouteille d'argon ou adaptateur AC? Je vends l'adaptateur parce que j'en ai eu moins. Là où les bouteilles d'argon, j'en ai souvent. Donc, j'imagine que c'est moins rare. Donc, voilà, on va réfléchir comme ça. Là, le problème, c'est que là, je vais déjà être full, quoi. Je vais être full très très vite. Donc, je pense que j'aurai pas le temps de fouiller tout l'étage 1. Je pense qu'on va faire une petite porte. Pour revenir ensuite ici directement. Donc il y a des. En gros tu peux prendre le miroir pour retourner en ville. Ou tu peux juste créer un portail. Et toi te permet de revenir directement quand t'es en ville. Et ça c'est pas mal. Ok. On enchaîne, tranquille. J'ai pas vu ça bobine. Ah c'est bobine de Tustingen, j'ai vu ça. Rock de Tustingen aussi. Ça je crois que c'était de la merde les baguettes de soudure. Que ça se vendait pas très très cher donc peut-être que je me trompe hein. Fume plastique ça se vendait correctement. Fume plastique ça se vendait correctement. Attendez je vais vérifier quand même. Vérifier quand même avant que je ne fasse de la merde. Bouteille d'argon ça se vendait assez cher. Donc je vais voir déjà. Tube électronique 7000. C'est fume plastique ça se vendait 3000 mais c'était trop cher. Les baguettes de soudure 3000 et c'était ok. Donc il vaut mieux que je prenne les baguettes de soudure là. Plutôt que le fume plastique. Là, j'ai bien envie de le mèche d'or, c'était pas ouf. C'est 3100, c'était pas ouf. Allez, va. Va comme ça, on verra. De toute façon, tous les objets, on les a plus ou moins. Oh, je peux tomber là. Parfait. Dis-moi que c'est un truc où je peux poser mes objets. Ah, putain. Donc là, je dois poser un objet à la place. Tant pis. Pour l'unité d'alimentation, il faut que je prenne ça. En gros, faut que je pose un objet, sinon... Sinon, il y a un mob qui apparaît, ça te casse les couilles parce qu'il est intuable. Ok, donc là je crois que j'ai fait 100%. Oh merde. Alors, y a pas d'objet. Non, pas d'objet loot. Très bien. On va continuer. Merde. Je vais aller à la fontaine vite fait là parce qu'il faut que je me soigne. Là c'est quoi à droite? Ah non, c'était le truc avec. C'était la pièce secrète avec le petit totem là que tu actives. Donc ça c'est bon. Je vais me soigner vite fait. Je vais juste finir l'étage 1. Je vais pas faire beaucoup plus. En plus, la fin de l'étage est en bas à droite. Donc juste me soigner vite fait. Hop. Au cas où la dernière pièce il y ait des trucs. Bon je pense pas que j'ai besoin de ces 15 derniers PV, on s'en fout. Et ça se trouve à gauche il y aura juste la tente de voyageurs. Ah non. Merde, ça ne veut pas. Ok parfait. J'en ai 10. Ouais j'en ai 10, tant pis. Oh nice, un petit squelette, donc généralement le squelette elle est obligée. Non. Pas ça. Pas les mimiques. Non. Pas les mimiques. Ça fait trop mal les mimiques, c'est un délire. Comme dans tous les jeux. Hein. Les mimiques, ça te casse toujours les couilles. Heureusement, ça va, je m'en sors. Oh putain de merde. J'ai un petit peu peur pendant un moment. Ouais, c'est bon, je prends les grosses pressions, mais... C'est pas ça que je veux. Je peux pas stack ça quelque part. Le problème, c'est qu'il y a des malédictions sur tous mes objets, donc je peux pas vraiment les prendre. Je peux pas le jeter quelque part. J'en ai un, puis c'est le soudage.
Je vais jeter quoi? Je vais jeter un adaptateur, tant pis. Ça se vend 5000 à la boutique, ah ouais. 5000 à la boutique, l'adaptateur. Ok. La batterie. Bon, après, tout le reste, on a plus ou moins. Câble, j'en ai besoin. Ah ouais, c'est chaud. Le truc, c'est que j'aimerais bien prendre le... Comment ça s'appelle? Le rock de Tinstinger, j'en ai déjà eu un, c'est bon, j'en fous. Je vais prendre la batterie. Je pense que la batterie vaut plus cher que le reste. Ok, très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On va aller devant la porte. On va créer un portail. Et on va aller vendre tout le reste. Là, tous les objets qu'on a là, on va aller les vendre vite fait. Et ce sera parfait. Oh non, non, pourquoi il est là? Donc c'est lui dont je vous parlais. Lui que je voulais pas voir. Je vais créer un truc. Je vais créer un emblème de marché. Oui. Voilà, comme ça, ça me fait une petite porte et je pourrais revenir ensuite. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire le donjon parce que j'avais la flemme. Et comme ça, je pourrais faire l'étage 2 directement et ce sera parfait. En espérant qu'il n'y ait plus le mob, tu vois, quand je reviens. Sinon, ce sera terrible. Donc, pourquoi il a peu de vie max comme ça? Parce que j'ai fait un build à base de tissu. Et du coup, j'ai pas énormément de vie là-dessus. Genre, j'ai vraiment... Attends, je vais déjà tout poser. Tous les trucs dont j'ai besoin. Voilà. Voilà. Non, ça, je range pas ça là. Ok, parfait. Et là, je vais placer des items. Donc ça, j'ai déjà vendu ça tout à l'heure. Ça, j'ai pas encore vendu l'unité d'alimentation. Ça doit se vendre un petit pactole, ça. Je vais le mettre à 13 000. Ok. Batterie cassée, ça se vendait assez cher, j'avoue. Enfin, 3 000, c'est pas très cher non plus, hein, mais ça va. Mèche d'or. 4100, c'était pas 3100. Je crois que c'était à 3100 que c'était parti. Bon, je laissais à 4100, mais je crois que c'est pas ça. Bobine Tesla, 10 000. Bouteille d'argon, 10 000. Et tube électronique, 7 000. Ça me semble fine. Ça se vend facile 20 000, je pense, à la lance infernale. Parce que c'est une arme de tir 3 quand même. Et techno histoire, je vais vendre ça pareil. Ça se vend généralement assez cher, les histoires. Donc je vais mettre ça à 15 000. Et on verra ensuite si ça part ou pas. Ensuite, j'essaie d'aller chez le. Comment ça s'appelle? Chez le forgeron, je vais faire des armes. Je refais des potions, on reprend le portail et on fait l'étage 2 et on loot tout. Donc 15 000, est-ce que le bouquin c'est trop cher? Non! C'était pas assez cher 15 000 pour le bouquin! Ah, coup dur! Coup dur! Ah, ça c'est acheter mes déçus, c'est pas grave, hein, c'est bien. Moi ça me va, tant que t'achètes, ça me va. Acheter mes déçus, c'est fine. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça c'était à 3100, c'était pas 4100. Putain, mais là, la lance aussi, 20 000 c'était pas assez cher! Fais chier, j'aurais dû vendre ça plus cher. Déjà 20 000 c'est un pactole, hein. 20 000 c'est un petit pactole déjà, hein. Putain. J'ai le seum. Ok, donc là pour l'instant tout est ok. Genre là tu vois, y a pas de déception, c'est des prix raisonnables. On n'est pas trop déçus. Bon, au moins le bouquin, je sais que je pourrais le lâcher à 20 000, tu vois. Donc les trucs d'or trop cher encore. Wesh. Sérieux? Oh, 3100, mais 3100 je crois que c'était parti, mais mec déçu. Donc prix raisonnable. Prix décevant pour le truc de Tesla là. Bobine Tesla c'était trop cher. Ok. Et là on va se faire des couilles en or. Hein. Là vraiment. Ah, 2700, un peu trop cher, mais acheté. Donc sol fertile, non, c'est mort. Ça c'est dans les premiers donjons, j'ai la flemme. Donc allez, achetez mes bobines de Tesla. Que le but du jeu, c'est de farmer des donjons, revendre les objets, améliorer ton stuff, donc armure, arme, etc. Et voilà. Et ensuite débloquer de nouveaux donjons. Donc là pour l'instant j'en suis au 4ème sur 5. Donc j'ai pas mal avancé sur le jeu. Elle sert à rien un peu la meuf. Ouais, mais en gros je peux lui dire de vendre des trucs. Merde, j'ai pas baissé. J'attends qu'il regarde plus. J'ai oublié de baisser. Donc les bobines Tesla trop cher. Allez, on va mettre à 6000, on verra. En gros je peux lui dire de bosser pour moi. Ouais. Mais par contre le problème c'est que si je lui dis de bosser pour moi, elle prend 30% des ventes. Et du coup, bah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ok, prix raisonnable sur 6000. J'aurais pu peut-être le mettre à 7000. Très bien, bon, bah, écoutez. On a vendu le truc. C'est très bien. On ferme la boutique. Ok, on a vendu. C'est fine. On va voir le forgeron s'il n'y a pas des petits trucs à nous faire, là. Donc, là, est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça, c'est parfait. Donc, voilà, comme ça, je fais ça. En gros, je fais tous les trucs qui me donnent... vitesse de déplacement et PV. Et c'est pour ça que j'ai pas énormément de PV. Tu vois, je pourrais avoir un truc qui me donne 490 au lieu d'avoir un truc qui me donne 270. Sauf que je préfère prendre le truc qui me prend 270 et qui me donne de la mobi. Donc voilà, simplement. Donc ça, de toute façon, je peux encore le faire. Et ça, de toute façon, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse encore quelques donjons de rang 3. Très bien.
Ça, je peux le faire, intéressant. Pas mal, ok, bon, écoutez, on va faire ça. Et on va améliorer ensuite, on va enchanter. Est-ce que je peux faire mon arc? Je peux faire mon arc aussi. Allez, écoutez, on va faire l'arc, hein. Sauf que l'arc, j'utilise très peu, donc... après, je passe quand même de 175 à 300 de dégâts. Je le ferai plus tard. L'arc, je le ferai plus tard. Je vais utiliser les points, je vais farm un peu plus de gold. Et ensuite, on verra. Magasin, ça y est, on a déjà tout fait. On va faire des potions, on va faire des enchantements. Donc, on va enchanter nos fists. Enchanter les points. Ça me coûte combien? 128 000, c'est pas grave, ça me va. Voilà, parfait. Donc, on a amélioré totalement les fists. Là, je pourrais améliorer ça aussi. Ça me donne 15 d'armure en plus. Donc, je vais améliorer ça. Et je vais améliorer ça. Non, ça c'est encore de rang 2. Ah, c'est encore de rang 3, donc ça sert à rien. Juste améliorer mes rangs 4. Mes trucs de rang 4, j'améliore. Les trucs de rang 2, 3, je m'en fous, quoi. Donc, gants de la foudre, très bien. Ok. Potion. Potion, potion. Il manque des potions, donc on va faire quelques potions. Et ensuite, on repartira directement dans le donjon. Voilà, je m'en fais 10, comme ça j'ai deux slots de potions. Et je pense que ça suffira largement. J'ai 500 PV, du coup je suis beaucoup plus tanky. Et on y va. Donc j'ai pas laissé les golds j'ai fait un banquier et j'ai pas utilisé les golds encore. Allez, on y va. Je joue vraiment les gants de boxe, pas trop galère. Moi j'aime bien. En fait ça enchaîne vite. Et juste le problème c'est qu'il faut être au cac. Et du coup c'est un peu... c'est pas évident qu'on va dire. Ah non, j'ai pas eu ça en fait. Salut toi. Tu me dis, j'ai trouvé une pièce, une espèce de nid au milieu duquel se trouve généralement un artefact rare. Il faut y déposer quelque chose. Sans quoi le rôdeur fait son apparition, donc ça on savait. Il n'y a pas de souci. Ok, directement fontaine pour ce heal, on connaît. Ok. Oh merde. Oh, je fais tellement mal. Je fais tellement mal, c'est un délire. Ah, mais c'est lui qui me casse les couilles là en haut. C'est lui qui me casse les couilles là en haut qui met la foudre. Fait bien bien mal en plus. Donc là je pourrais aller directement à l'étage 3, mais j'ai pas trop envie d'y aller maintenant. J'ai envie de découvrir un peu plus l'étage 2, d'autant plus que je l'ai pas fini tout à l'heure parce que je suis mort. Donc oh, mais putain merde. Ah, par contre ces dégâts sont augmentés de manière considérable quand t'améliores ton stuff. Parfait. Non, ça on s'en fout. Ok, nickel. Je me rappelle des prix des trucs pour bien les classer ensuite. Nice, un squelette, donc très certainement une arme ou un truc qui se vend un petit pactole quoi, ou des potions au pire. Mais les potions ça me va très bien aussi. Merde. Ok, absolument rien. Du coup il me donne juste l'instruction. Oh donc pareil, il me dit la même chose que tout à l'heure l'autre. Chiant. J'ai déjà trop de trucs là. Ça détruit l'objet indiqué en rentrant en ville. Ok, ça pareil, donc ça je mets là. Ça pareil, je mets là. Voilà, c'est ça qu'il faut que je mette en haut. En gros, il faut réaménager le truc parce que sinon ça détruit plein d'objets. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Ok. Là pour l'instant, je range un peu. Ah, nickel. Là, il y a un trou. J'aime les trous. Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des petits objets, bon, pas des trucs de fou, hein, clairement. C'est clairement pas des objets de fou, là, que j'ai. Donc ça, c'était un peu de la merde, la mèche d'or, donc on l'a vu que ça s'en est pas très bien, ça aussi. Le film plastique, c'est pas un truc de malade, donc en gros, on met dans le miroir, Mercure Paris, c'était pas ouf. Donc voilà, je prends cet objet-là, qui est un roc de Tostingen, donc on s'en bat les couilles, ça aussi, on s'en fout. Donc en gros, maintenant que je connais à peu près la valeur des objets, je peux me permettre de trier un peu les trucs que je veux garder, que je veux pas garder, etc., etc. Ah merde, par contre, j'ai fait du stuff et j'ai pas changé mes favoris. Dommage. J'aurais dû faire ça. Ah, nice. Attends, c'est quoi ça? C'est le désert, ça? Ça, c'est du coup, en gros, des fois, vous allez dans les donjons, des portails, qui vous mettent un petit passage vers un donjon supérieur. Donc, en gros, un truc que vous pourrez rencontrer après. Et du coup, c'est pas mal parce que ça montre un peu... Sauf que là, c'est un truc inférieur, donc c'est un peu de la merde. J'imagine que je peux pas encore voir les trucs supérieurs. Donc là je m'en fous, tous les items là je les connais déjà. Donc, je m'en branle un peu. Voilà. Donc les trucs ça se vend genre... Il y a des trucs qui se vendent correctement, il y a des trucs qui se vendent par exemple 2500. Mais c'est pas des objets que je veux quoi, donc on s'en fout.
J'ai touché là, sérieux? Allez, c'est un petit squelette là, fais plaisir. Allez, donne-moi un truc. Un petit arc. Ok, un petit arc rare, pas mal. Donc du coup, ça c'est les armes de tier 2 ou 3, de tier 3, pardon. Et du coup, je sais que ça ne se vend plus au prix de 20 000. Donc ça se vend plus cher que 20 000, maintenant je le saurais. Okay. 80, c'est dur. Ok, donc ça, ça annule un maléfice, donc ça c'est bien. Est-ce que j'ai pas un maléfice à briser que je pourrais stack ensuite? J'ai pas l'impression. De toute façon, ça je m'en fous. Mèche d'or, je m'en fous. On l'a dit tout à l'heure, hein, les mèches d'or, on s'en fout. On s'en fout. Ça, on en a 10, donc ça je pense que même si là c'est un truc de quête, j'en ai déjà beaucoup trop. Voilà, comme ça j'annule la malédiction et je stack, c'est parfait. Et j'imagine que j'aurai d'autres batteries, donc je vais mettre ça là. Par contre, le mercure, ça se vendait pas très bien. Donc mercure, on se rappelle, ça se vendait pas de ouf. L'électronique, je sais plus exactement. Il faudrait que j'arrive à annuler la malédiction de ce truc-là. Comme ça, je pourrais le stack avec l'autre pistolet de soudage que j'ai déjà. Quoi casser, tiens. What the fuck. Ok, donc ça, c'est les tentes. Ils donnent des petites instructions. Genre, j'avoue que je sais pas encore exactement à quoi ça sert. Les uns sont cool, les autres moins. Donc là, j'ai déjà lu ça. Le truc, c'est que je sais pas exactement à quoi ça sert. Donc, bon, Osef. On va dire Osef. Et donc là, on va aller directement à l'étage 3. J'ai bien fini le jeu en vrai. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là, je vais aller découvrir celui-ci et on verra ensuite. En gros, j'essaie de découvrir un peu le donjon. Donc là, voilà, c'est la première fois que je vais aller faire l'étage 3, par exemple. Et le truc, c'est que dans l'étage 3, il y aura plein d'objets que je connais pas. Donc j'ai bien envie de le faire. Ça se vendait pas de ouf. Ok, ça c'est pas chier. Bouteille d'argent, ça se vendait bien. Donc on va retirer déjà ça. Je les riche, on s'en bat les couilles. Ça, ça renvoie un truc à la maison, c'est parfait. On va renvoyer ça à la maison, ok. Et unité d'alimentation, est-ce que j'en ai pas d'autres? J'en ai pas d'autres. Donc faudra que je fasse des. Faudra que j'annule quelques malédictions pour pouvoir les stack. Les câbles, j'en ai déjà 10 sur moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Osef. Faut que je finisse vite avant que le coffre s'embourbe. Donc en gros, il faut que tu fasses tous les mobs de la zone avant que le coffre ne disparaisse. Oh merde. Oh non, je suis un troller. Non, je perds de la vie bêtement. Ça, c'est le stress des examens, ça. Donc ça, ça annule une malédiction. Donc j'aimerais bien, c'était quoi que je voulais annuler? Voilà, c'est ça. Donc j'annule cette malédiction, comme ça je peux stack ici. Ça, je peux amener une autre malédiction. Donc comme ça, je peux stack ici. Donc ça, je prends, ça, je prends. Et ça, je peux pas annuler de malédiction. Par contre, ça, ça va là. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Parfait. Donc on a rangé nos petits items comme il fallait. Donc ça, c'est bon. Ok, donc là, j'ai les câbles. Donc ça, j'ai déjà. Et ça, c'était une batterie. J'en ai déjà 10. Donc les batteries cassées. Un item extrêmement rare, on va dire. Là, ça, faut que je fasse tous les mobs. Sinon, le truc, le chase, ça fait très très mal. Des mobs de merde, ça lui donne des vieux items de merde. Oh, j'ai perdu du sang. J'ai perdu de la vie bêtement là-dessus, ça me fait chier. Encore plus perdu de la vie bêtement dessus, ça me fait encore plus chier. Aïe. Une potion quand même. Tu sais jamais. Ok, il y avait rien là. Et on vient de là. On vient d'où hein? Pourquoi je peux pas voir? Voir ma map. Super. Donc j'ai l'impression qu'il y a des ondes. Des ondes qui annulent ma possibilité de regarder la map. Très embêtant. Donc là, il drop du mercure, donc on s'en branle. Embêtant. Nice. Chier, je prends des dégâts pour rien. Ça me rend malade. Donc, un malus annulé ici. Comme ça, je peux stack ça là. Là, j'en ai 3 là, c'est pas mal. Faudrait que j'annule les malédictions de quoi? Faudrait que j'annule la malédiction de ça, comme ça je pourrais stack les 2 unités d'alimentation et du coup je pourrais stack les 5 tranquille. Il me casse les couilles. J'avais pas vu un petit squelette en bas, merde. Aïe aïe aïe. Un petit squelette en bas, ça c'est parfait.
assez rare ça, hein. Donc, squelette. Ah, une épée. Donc ça, on va prendre, hein. On va prendre l'épée direct. Donc bobine de Tustingen, on connaît déjà, donc Osef. Et comme ça, je pourrais vendre des armes de tier 3. Et je pourrais évaluer un peu les prix, sachant que c'est plus de 20 000 l'arme. Normalement, il y a moyen de se faire un peu de thune là-dessus, quoi. Ok. Mais je peux pas regarder ça. Ça me frustre trop, en fait, de pas pouvoir voir ma map. Aïe, j'ai perdu 197. Pourquoi? La raise. Je perds 197 à chaque coup. Aïe, c'est dur. Il faut vraiment que je fasse attention. Non. C'est une potion parce que 197, c'est quand j'ai 130 de vie. C'est pas ce que je veux voir. Ah, ça j'ai déjà. Et c'est des trucs qui copient les items, donc ça me fait un peu chier. Oh, je suis un connard. J'aurais récupéré des potions là. Je pense que j'arrive au terme de mes 5 potions que j'ai faites tout à l'heure, donc faut que j'entame le stack de 5 qu'après. Putain, mais lui aussi il reste des trucs. En vrai, il y a des mobs que je connais pas encore, donc ça me fait tilt de ouf. Ok, pas mal. On enchaîne les câbles. J'ai déjà un stack de câbles. Ça me sert à rien d'avoir 2 stacks de câbles. 10, ça me suffit largement. Donc ok. Baguette de soudure, j'en ai... Enfin, je peux les vendre parce que je sais le prix que ça vaut genre 3000 pièces, c'est pas ouf. Enfin, c'est bien, mais c'est pas non plus insane. Je vais équiper mes potions. Et j'ai pas découvert encore l'étage 3. T'es d'accord, hein. Si, je l'ai découvert l'étage 3. Il me semble que j'ai découvert l'étage 3, mais je suis pas sûr. Je sais plus. Bon, ça, c'est de la merde, ça. Les mèches d'or qui se vendent 2700, c'est bon maintenant. On en a assez vu, messieurs. Ah, c'est là l'étage 3. Ah, mais je suis déjà à l'étage 3. En fait, je sais pas si je suis à l'étage 3 ou si je suis à l'étage 2. Auquel cas, je suis un gros connard si je suis déjà à l'étage 3. Mais je crois que ça, c'est l'étage 3. Hein. Oui, c'est le boss après. Ah, je suis déjà à l'étage 3. Là, il y a le boss. Ok. Écoutez, on va préparer un petit truc. Hein. On va juste go. On va juste préparer un petit portail. Et ensuite, on enchaîne directement sur le boss. Donc là, on va vendre. Et ensuite, on va faire le boss. Ah, je suis déjà au 3 en fait. Et il y a 3 étages par donjon plus un boss. Ok, bah ça va alors. Le truc, c'est que j'ai pas eu de coffre qui renvoie tout à la maison. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé. Ça m'aurait permis de stack pas mal de trucs. Attends, j'ai encore un truc avec une étoile, là. Ok. Donc là, je pense que je peux faire plus ou moins ce que je veux comme item. Je vais aller vite fait voir le forgeron, voir ce que je peux faire avec le forgeron. Donc, ça, il me manque... Ça, j'ai déjà fait, ça, du coup. Mais ça, j'ai plus besoin de le faire. Ça, j'ai fait pas encore. J'ai pas encore fait, donc ça je peux le faire, très bien. Donc ça je vais le faire. Pas mal, okay. Donc là je peux le retirer ensuite de mes listes. Et ça le problème c'est que j'ai pas encore fait le tier 3. Donc j'ai le tier 4 sur armure et tête, mais j'ai pas encore tier 3 sur les bottes, donc je suis un troller. Ok, donc ça j'ai plus besoin, sachant que j'ai déjà fait aussi. Et je pourrais pas tenter de faire ça. Ouais, mais le truc c'est que pour faire ça, il faut que je fasse ça avant. Ouais, il faut que je fasse trop de trucs avant. Donc, au niveau des armes, c'est bon. L'arc, je peux le faire, mais il manque des thunes. Je voulais voir quoi? Je voulais voir pas le banquier parce que bon, je vais voir lui. Voilà. Ça coûte pas très cher. Comme ça, je peux changer la déco dans ma boutique. Et ça, c'est bien. J'achète tout, je m'en fous. Comme ça, j'ai absolument tout pour la déco. C'est parfait. Et je vais changer ma déco. Je vais faire une déco full techno. Enfin, full technologique, hein. Je vais dire, hop. Pour boire généreux. Voilà, parfait. Ok. Là, c'est quoi? Augmente le temps de patience, je m'en fous. Anti-voleur, j'ai déjà mis. Là, je peux rien mettre de plus, en fait. Là, je peux mettre quoi? Délai la date de livraison des quêtes, je m'en fous. Ça, c'est des thunes en plus, c'est pas mal. Enfin, bon. J'ai un clé en moins, donc en gros, ça peut ne pas être bien, en fait. Augmente la vitesse de marche des visiteurs, c'est pas mal ça. Le truc c'est que, du coup...
Ils peuvent aller plus vite, mais j'ai 25% de chance d'avoir des voleurs en plus. Non, je pense que je suis bien là, au niveau des trucs. Ouais, non, je suis bien. Ouais, c'est bon, je suis bien. Allez, on laisse... Ah non, attends, faut que je passe mes objets. Attends, je suis un fou. Ah, ça, j'ai pas encore vendu. Bois traité. 10 000, tiens. On tente un petit 10 000 pour du bois. Bouteille d'argon, c'était cher, donc ça, c'est ok. Condensateur d'énergie, c'était cher, c'était ok. Par contre, le fouet cassé... Alors là, gros... On est vraiment sur des trucs, je sais pas du tout c'est combien. Donc tube électronique 7000 c'était fine. Bim Tesla 8000 c'était fine, c'était même un peu cher. Donc là 13000 c'est très très bien. Et là on va mettre les deux armes. Donc grande épée flamboyante que l'on va mettre à du coup 40000, vas-y, 50000 même, vas-y. Parce que 20000 c'était genre pris en or pour les armes de ce tir là. Et du coup 50000 on tente. On tente, vous savez quoi, on tente, on en a rien à foutre. Voilà. Ça, j'ai pas mis en vente encore l'adaptateur assez. Donc je vais mettre à 10 000. Attends, je peux encore ranger ça. Hop, hop, hop. Parfait. On va tout vendre comme ça, on se fait des thunes. Donc là, il y a un voleur qui vient d'entrer. Donc lui, c'est un voleur. Lui, on reconnaît en gros, il y a des skins des gens voleurs. Ah, lui, il vient de check une arme. 50 000. 50 000, c'est un bon prix, non? Quoi? Quoi, 50 000, c'est encore un prix en or? Mais vas-y, mais gros, mais c'est un 150 000 alors, bro. Putain! Dire que tout à l'heure j'ai mis à 20 000, 50 000, je me fais encore douiller! Tiens, toi, on se bat direct, y'a pas de soucis. Oh, j'ai le démon! 50 000 pris en or, merde! 150 000, ça va! Et no spoil sur le chat, no spoil, j'ai envie de découvrir moi-même. Donc, du coup, je lirai pas en attendant. Tu vois, c'est mieux si j'écoute moi-même que si je me dis, bah tiens, c'est tel prix parce que le chat me l'a dit, tu vois. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, ce n'est pas rigolo. Ok. Merde, affaire en or sur le fouet cassé à 12 000. C'est un fouet cassé, putain. J'aurais dû le mettre plus cher. Ça m'embête. Ça m'embête grandement. Bobine Tesla est un peu déçu. Donc... Ah oui, 6 000, c'est le prix. Donc, je pense que 6 500, c'est fine. Ça, j'ai mis à 10 000 en... Putain, les adaptateurs, 10 000, c'est trop peu cher. Fais chier, je me fais douiller par mes clients depuis tout à l'heure, là. C'est en train de me voler. 6500, déçu mais acheté. Déçu mais acheté. Exact. Ah tiens, l'armure. Tiens, il va acheter là. Ok, pas mal. On se fait beaucoup de thunes, hein, mine de rien. Donc là, il va regarder l'épée, 150 000. 150 000, ça va. Encore une affaire en or, mais putain. Je me fais voler. Fais chier. Merde. Bon bah écoutez, au moins je saurai, j'ai la prochaine arme que j'ai de ce tir là, je mettrai à 250 000. Bon bah écoute. C'est du 250 000 et rien à foutre. Ok, donc on a 800 000. Qu'est-ce que je voulais faire? L'arc, je l'ai pas fait du coup tout à l'heure. Voilà, je vais le faire, hein, tant pis. Hop, comme ça j'ai pas besoin de remodif. Et pour les enchantements. Je vais me faire quelques potions et quelques enchantements et ce sera bon. Ok, donc ça c'était quoi? C'est tier 5, non? Tier 4? En tier 4, ça c'était combien? Tier 4? Ah, c'est bon, tier 4, alors j'améliore. Tier 4, j'améliore, 128 000, ok. Et l'arc, je peux l'améliorer une fois. Je peux l'améliorer encore une fois? Ah, tant pis. Faut que je fasse des potions déjà. Encore une, et c'est parfait. Ok, donc j'ai 10 potions. J'ai de quoi aller faire le boss. On va aller le chercher, y a pas de souci. Let's go! Let's go, on fait le boss. Et on espère que je me ferai pas trop défoncer. Sachant que j'ai du stuff pas oufissime. Mais j'ai du stuff correct. Donc là, on va faire le boss, qui est donc le boss du 4ème donjon. Ensuite, on verra pour faire le boss du 5ème, etc., etc. Donc voilà, boss du 4ème donjon. Donc c'est quoi le boss? Eh? Nani? Oh, stylé. Je mets des petites flèches. Oh putain, ok, d'accord, je vois. Je connais ces patterns. Je fais à distance, donc je connais pas encore trop. Ok, mais ça. Oh putain. Ok, ça c'est comme l'autre. Ça, je peux pas encore faire ça. Oh, non. Puis je troll pas. Je peux pas encore. Hein. Puis je troll pas, bien sûr. Bon, ça j'en cul, je pense. Je devrais pas avoir trop de balles, je pense.
Qu'est-ce que je suis pas fichu là-dessus? Moi je le déboîte, hein. Vraiment très très simple. Le techno gardien, les gars, c'est de la rigolade. J'ai beaucoup trop farm en fait. Attends, il a l'air d'avoir un patin. Oh, what the fuck? The fuck? Dans quoi? Eh! Ok, j'ai rien dit, je m'excuse, gros. Oh, le pattern là, il était énervé. J'avoue que je trouvais pas trop de failles. Oh, les éclairs! Ça aurait pu me baiser. Genre, si j'avais pas eu de potion, je me serais fait détruire. Donc là, on a la clé, très bien. Et du coup, on va débloquer le cinquième donjon. Pas mal, ça fait plaisir. T'es en quelle difficulté? Je suis en difficulté difficile, hein. Donc, difficulté recommandée. Donc, je suis en difficile. Donc là, il y a le coffre, pas mal. Donc, on prend tout, hein. Et du coup, on va voir combien ça se vend, tout ça, écoutez. Voilà, on va vendre tout ça tranquillement. Donc là, je peux aller dans la porte quand je veux. Le problème, c'est que... il m'a rien drop. D'habitude, c'est les mobs, ils drop. Là, il m'a rien drop du tout. Ok, donc boss réussi. Très bien, c'était pas trop dur. Bon, regardez, pour les options, je suis en mode difficulté. Voilà, donc difficile. Donc le mode conseillé, au final. N'empêche, j'ai fait trop le bon. Rappelons que les livres, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai vendu trop bas. Genre, là, je vais mettre des livres à 50 000 balles. Hein, j'en ai rien à foutre. Là, c'est des bouquins qui vont partir à 50 000 balles. Donc, on y va, très bien. Donc, ici, nous avons donc le cinquième donjon qui va être déverrouillé grâce à nos 4 clés. Et du coup, ben, ça va être sympa, ça, tiens. J'imagine que ça va pas être si simple. Hein. Donc, j'ai utilisé combien de potions, là? Ouais, c'était simple. Donc, voilà, on retourne en ville. On va parler à notre grand-père. Enfin, c'est pas notre grand-père, mais c'est le mec qui s'occupe de nous. Donc c'est monsieur Zenos, enfin Zenon. Le techno-gardien est mort et la cinquième porte est ouverte. Le vieux Pete avait raison. Puisse-t-il reposer en paix? Tu as fait ce que personne n'aurait jamais pu faire. Si je te demandais de rester là, de ne pas passer la cinquième porte, m'écouterais-tu? Personne ne sait ce qui se trouve au-delà. Mais je vois bien cet étincelle dans tes yeux, la curiosité. Tu ne t'arrêteras pas. Ton grand-père n'en attendrait pas moins. Bonne chance, Will. Sois prudent. Allez, bah écoutez, on va faire ça, hein. Pas de sauce. Et du coup, oui, ça va être le dernier donjon. Donc là, ça va être le dernier donjon. On va vendre tous nos objets. Hein. Donc là, c'est... note sur les flux, ça, on le met à 50 000. Il n'y en a rien à foutre, hein, les notes. Hop. Bouquin, techno-histoire, j'ai vendu à 15 000, c'était un prix d'or. Donc allez, on va voir si 55 000, c'est un prix d'or. Allez, techno-histoire, 2. Donc ça, c'est encore plus cher que le 1. Donc ça, on va le mettre à 75 000. Allez, hop. On se fait plaisir. Et ça, c'est du 100 000, hein, messieurs, pour la techno-histoire numéro 3. C'est du 100 000. Voilà, c'est du 100 000. Il n'y a pas de souci. Donc ça, pistolet de soudage, ça j'ai pas vu tout à l'heure, je l'ai pas vendu tout à l'heure je crois, donc je vais mettre à 20 000. L'adaptateur AC, donc ça 10 000 c'était une aubaine, donc on va le mettre à 24 000. Unité d'alimentation, donc ça c'est le prix normal. Métal conducteur, ça va être cher aussi, donc je vais mettre à 50 000 aussi. Donc là on abuse un petit peu sur les prix parce que il vaut mieux vendre trop cher que pas assez cher. Donc on tente des trucs, les batteries cellules triples, j'en ai 2, donc ça va pas être non plus extrêmement cher. On tente un petit 50 000. On tente des trucs. Là, on fait l'américain. Là, on fait l'américain de ouf. Genre, on en a rien à foutre. On fait l'américain. Et c'est parti. Donc, lui, il veut une quête. Merde, j'ai oublié de garder les tubes électroniques. J'oublie tout le temps les quêtes, en fait, à chaque fois. Parce que les quêtes, ça devrait être comme les objets que tu mets en favori. Tu devrais avoir une petite étoile et comme ça te dit, bah tiens, tu le gardes. Sauf qu'en fait, non. Alors là, je suis vraiment l'américain. On va voir si ça se vend. 75 000 le livre 2. Trop cher ou pas assez cher? Ou normal? Ok, j'ai peut-être abusé. J'ai peut-être un petit peu abusé. Allez, on va passer sur un 55 000 tout de suite. Allez, 55 000. J'ai peut-être un peu abusé, j'avoue. Allez, 55 000. Oh, déçu mais acheté. Attends. Si déçu mais acheté le premier livre, je pense que là, il y a moyen de lâcher un 62 000 pour qu'il l'achète. 55 000, j'en ai vendu un 20 000. Non, 15 000 même. 100 000, ça m'a mis. Mamie, 100 000, trop cher, merde. On va le mettre à 90. Parce que ça, c'est quand même celui de rang 3, donc c'est le plus rare. Donc on va le mettre à 90, on va pas non plus se laisser avoir comme ça. Ok, prix raisonnable sur les notes. Que j'ai mis super cher d'ailleurs les notes, hein. Je crois que j'ai mis à 50 000, un truc comme ça. J'ai mis vraiment super cher les notes, donc prix raisonnable, très bien. Et je peux regarder dans mes archives, hein, en gros, pour voir les trucs, genre voilà comment ça se vend, etc. Donc ça, 50 000 notes sur les flux. 55 000, c'est parti, mais c'était pas ouf. Et du coup, voilà, on regarde un petit peu les prix des trucs, quoi. Un peu déçu sur les deux trucs là à droite. Un peu déçu les deux là. Donc pistolet soudage, j'ai abusé sur le prix. On va le mettre à 17. 17. Et ça, c'était métal conducteur. J'avoue que j'ai forcé. Donc 30 000. J'ai giga forcé. Ok, pour l'instant, ils sont déçus surtout là. Tout le monde est déçu, hein.
Ok. 100 000, c'était peut-être un petit peu abusif. Sachant que les bouquins se vendent même pas autant, donc... j'ai un peu abusé là-dessus, j'avoue. J'ai un peu abusé sur le prix de tous mes trucs, là. Mais il vaut mieux. Déçu, ok, merde. Juste le sous-là, je vais mettre à 14. Fait chier. Déçu, mais acheté. Let's go, l'adaptateur. Let's go, c'est parti. Attends, par contre... Il a cru qu'il allait me bouquer, enfin me voler le bouquin 3, la Techno Histoire 3. C'est un fou lui. C'est un fou ce gosse. J'étais très très déçu. 80, j'ai forcé quand même. Je vais mettre ça à 70. Après, je crois que c'est le prix est classé genre là dans l'ordre des prix. Donc ça veut dire que le plus cher c'est le Techno Histoire 3. Et le plus cher c'est. Bon, attends, je vais laisser comme ça, je m'en fous. On verra. Donc ouais, je pense que le plus cher c'est le Techno Histoire 1 en fait. On va se tromper. Je vais mettre à 52, on verra. De toute façon, on laisse et on verra. Donc, lui veut quoi? Poudre de rapidité? Non. Parce que c'est trop chiant, j'ai pas envie d'aller farm ça. Allez, achète-moi ça. Déçu. Déçu, putain. Donc, le truc qu'il a acheté, j'ai forcé de ouf aussi. Hein. Ok, prix raisonnable. Le truc 3. Trop cher, 3. Trop cher, le truc 3. 70 000. Je vais tenter à 63. Ok, pas mal. Trop cher encore. Putain. Bobine de cuivre, trop cher de fou là. J'ai abusé. Le bouquin, 52 000, il part. 52 000, 63 000, il part. Déçu, mais acheté. Ok. Donc déçu, mais acheté. Et là, je pense qu'on peut tenter à 57. 56, allez, on tente à 56. Ok. Donc ça, trop cher, beaucoup trop cher, métal conducteur. Donc. J'ai abusé de fou là sur les coups. Allez, là les deux partent. Déçu mais acheté. Oh, normal. Ok, 56 000, prix normal pour les notes 3. Donc j'aurais pu gratter un 60 000 peut-être. Par contre là, c'est beaucoup trop cher encore. Donc je vais baisser encore le prix. Le mettre à 8 000, on verra. Lui par contre, il veut me voler lui. Je te vois. 10 000 trop cher ici. Non, acheté je crois. Déçu mais acheté, parfait. Donc là, juste déçu. Pas mal, les déçus mais achetés, c'est bien, c'est de la bonne douille, tu vois, je me sens vendeur, quoi. Je me sens vendeur quand je vends des trucs comme ça. Donc là, il manque juste le truc ici, le métal conducteur. J'abuse un peu sur le métal conducteur, j'imagine, mais bon, tranquille. Elle le prend pas. Chier. Ouais, du coup, c'est de la merde, c'est un item de merde. Un item qui se vend moins de 6000, c'est un item de merde. Genre pour un rang 3, enfin pour un objet de donjon 4, c'est un peu un item de merde, donc... m'en branle un peu. Je le mets un peu n'importe quand. Oh, mais gros, il part même pas à 4000, allez, c'est bon. Ça va être au rabais, ça va être un solide 2000. On en a rien à foutre. Si à 2000 ça part pas, c'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier si à 2000 ça part pas. Eh, 2000 ça part quand même. Vas-y, gros, c'est quoi cet item? 1000 ça part quand même. 2000, il est déçu carrément. Il a même pas voulu jeter un truc. Il a même pas été déçu de l'acheter. Lui, il le prend, hein, 2000. 2000, il prend et c'est un prix raisonnable. Ok, prix raisonnable à 1000. Genre, enfin, 2000, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est un objet que je sais que je ne garderai pas. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait après ce qu'on devait faire. On a nos potions. On a avancé sur nos objets, etc. On a avancé sur notre stuff. Donc, notre stuff, le seul problème, c'est qu'il faudra que j'aille farm un peu dans le donjon 3, mais ça, je le ferai hors stream. Tranquillement, donc là les objets c'est ok, donc j'ai ça amélioré, j'ai l'arc amélioré. Arc amélioré fois combien? Donc gant plus 3, arc plus 2. Ok, il faudrait que j'améliore, donc là je peux plus améliorer ça, donc les deux je peux plus améliorer. Par contre. Donc ça c'est les deux de rang 3, il me faut un truc de rang 3, parfait. Bon écoutez, on va aller faire le dernier donjon, hein. On va aller se balader au donjon 5 et c'est parti, c'est parti. C'est une petite découverte du donjon 5 qui nous attend, les amis. On rentre et on verra ce qu'il nous attend là-dedans. Oh là, par contre, le son... Ah, mon micro a bugué. Deux secondes, je suis un robot, je sais. Allô ?
Allô? Allô, allô? Ah non, mais putain, j'ai un robot là, non? Vous m'entendez comment? Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, c'était juste moi. Ok, allô? Ouais, c'est mieux. My bad. En fait, non, c'était mon casque qui était débranché. Donc je me suis fourvoyé, j'étais pas du tout en robot. Donc allons-y, donjon 5, et on se balade. Attends, mais c'est quoi ce donjon 5 là? Ah, on m'entendait bien. Ok, my bad, non, j'ai cru. C'est quoi ce donjon, gros? What the fuck? Il fait peur ce donjon! Ouais? Je vais prendre un petit morceau, je pense, mais tranquille. En fait, on va pas tout manger du bucket. Ok, bah laisse ça sur le côté, t'inquiète. Moi, je suis dans mon petit donjon tranquille. Et ensuite, je vous laisse. Ah, mais y'a plein de morts! Y'a une clé! Y'a plein de clés, ok, donc ça, c'est les 4 clés que j'ai eues tout à l'heure. Mais c'est quoi cette merde? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc je continue d'aller tout droit, hein. Je vais me balader un peu que... Enfin... Mais je peux même pas mettre la map, je... Bisous à toi. Bisous à Sharky. De prendre une résolution. Ok, donc attends, mais je dois lire plein de trucs. Donc ça, c'est des tombes. Ah, il y a plein de messages sur ça. Ah, mais il y a plein de messages partout, en fait. Il y a des messages avant. J'aime bien lire les histoires pour comprendre le jeu. Donc là, ok. Je vais voir ce qu'il y a ici. Donc là, c'est la première tombe. Voilà 2 mois que nous sommes enfermés, les ressources s'amenuisent. Où est le sbire qui devait nous libérer? Dans l'attente, nous avons commencé le développement du prototype L. Ok. Ce stupide sbire erreur. Ok. En fait, là, je suis où, là? Je comprends pas. Il n'y a qu'une seule échappatoire, il faut surcharger le moteur dimensionnel, s'écraser dans une autre dimension, dans le vide. C'est toujours mieux que de mourir de faim. Erreur. Très bien, bon, écoutez. On va tout lire vite fait, ça doit pas être très long. Malgré tout, nous avons presque terminé la chambre du prototype L. Le chef souhaite essayer le corps au plus vite, mais nous ne savons pas encore s'il est stable. Le prototype L est terme erreur. Ok, donc en gros, c'est des expérimentations pour sortir de leur truc. Et ils ont fait un prototype bizarre. Donc nous avons lancé l'opération fermeture de porte. Un sbire à portage d'utiliser 4 clés pour nous enfermer. Les clés seront ensuite cachées. Il faudra environ un mois pour semer les agents de l'œil. Après cela, ils changeront de secteur. Eh bien, nos rapports indiquent que l'œil est sur notre piste. Nous allons devoir nous enfermer pour masquer notre signal. Donc l'œil, je sais qu'il y a un mob, donc vous avez vu par moment. En gros, quand je prends des bouquins et tout, bah j'ai l'œil qui me suit. Et je sais pas si c'est ce mob-là, genre ça. Donc la prochaine série de dimensions semble très prometteuse. Si nous y trouvons assez de ressources naturelles et synthétiques, nous pouvons débuter la construction de prototype G. C'est prototype L, prototype G, c'est bon, je comprends plus rien là. Le prototype créé grâce à la technologie dimensionnelle est un succès. Chaque variante semble avoir diminué le pourcentage de rejet corporel. Eh bien... Eh hein... Là, j'ai lu ici, je crois. Ici, cette tombe de moins en moins probable, cela fait 3 ans maintenant. Nos soldats ont dû mater une émeute la semaine dernière, nous devons trouver un moyen de nous enfuir. La situation critique, des collègues ont perdu la raison et ont été abattus par les soldats. 2 problèmes résolus avec une solution. Les émeutes, elles manquent de nourriture, donc ça on avait lu. Du coup, on va continuer de monter. Oula! Oula! L'air d'être un peu de la merde là. Je suis tombé dans l'œil. Je dois faire quoi là? Je comprends rien. C'est un boss? Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est le boss. C'est le boss! Le dernier pirate dimensionnel. Enfin, quelqu'un vient nous aider. Ce ne sont pas des ruines, mon garçon. Nous sommes des pirates. Moi, mes hommes défunts, toi, enfermés ici pendant des siècles, nous devons rattraper le temps perdu, reformer mon équipage, piller à nouveau de nouveaux systèmes pour te remercier de ton aide. Je vais te laisser partir, mon garçon. Va-t'en, j'ai dit. Oh là. Je vais le jouer de loin. Oh, putain. Ça, il fait pas trop mal. Il va pas être trop galère. Ok, il change de stance. Intéressant. Mon level. Aïe. Ok. Thank you.
ça va, c'était easy, gros. Attends, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Je crois que c'est l'œil, là. Ah, je me disais bien que c'était pas terminé. Je me disais bien que c'était trop facile. J'apprends le truc. Oh non, il fait pop des mobs, c'est vrai. Oh yeah 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 yeah. Tu vas sortir, tu vas faire quoi? Ok, donc ça balance des petites ondes de choc des fois. Faut que je comprenne le pattern. Ok, ça. Là, il va balancer encore. Non, pas encore. J'ai un mode sur moi. Ok. C'est une potion trop tôt. Donc j'ai foncé le petit mob de merde là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Une potion vite. J'enchaîne, j'enchaîne. Donc là en gros, il y a des mobs qui sont derrière moi, mais là je peux le faire. J'ai vu les trucs. Oh merde. Ok, donc là faut que je tape et après genre faut que j'évite les ondes de choc. Faut vraiment que j'évite les ondes de choc là ça, non. Putain. Ah non, je peux pas toucher celle-là. Je peux pas toucher sur celle-là. Là je peux enchaîner. Allez, je le termine. Let's go. Est-ce qu'il est terminé ou pas? Est-ce qu'il est terminé ou pas? Ok, heureusement que j'ai mis une potion. Hein. Sans une potion, c'est impossible. Hein. Sans une potion, vraiment, je me fais déboîter la gueule. Et du coup, j'ai l'impression que je l'ai eu, mais je ne suis pas encore certain. Donc on verra. De toute façon, j'imagine qu'après, il y a encore des trucs à découvrir, etc. Ok, héros en marchant. Oh, let's go! Est-ce qu'on a terminé le jeu? Est-ce qu'on est le boss? Vous ne pouvez pas nous interdire d'entrer dans les donjons. Pour qui vous prenez-vous? Vieil homme, ces donjons sont construits à partir de pièces d'autres dimensions et ont pour but de faciliter la collecte de butin. Vous ne pensiez pas à votre âge que ces artefacts poussaient dans les arbres? Vous n'êtes pas d'ici, vous devez nous montrer du respect. Si vous dites vrai, pourquoi débarquer que maintenant? Les donjons sont là depuis toujours. Monsieur, la situation est très compliquée. Veuillez m'excuser si mes manières ne sont pas adéquates. Nous les recherchions depuis très longtemps. Nous avons perdu leurs traces dans la dimension Geyser. Une balise a dû être réactivée nous permettant de localiser ce monde. Vas-y, c'est bon, il veut quoi là, Han Solo là? Mais bon sang, de quoi parlez-vous? Pirates dimensionnels. Hé? Des pirates dimensionnels? Pirates dimensionnels. Une race de créatures composées entièrement de fluides dimensionnels. Ils purent ainsi développer rapidement la technologie nécessaire au voyage interdimensionnel. Au lieu de partager leur savoir, ils préfèrent piller les autres dimensions. Selon nos rapports, ils doivent se cacher juste derrière cette porte. Ah ouais. Bien vu. Qui est ce garçon? Ce n'est pas un pirate, si? Bien sûr que ce n'est pas un pirate. Will, il suffit de le regarder. Will, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as affronté une méduse robotique? Leur chef, très certainement. Tu dis qu'ils se sont entretués parce qu'ils étaient bloqués là-dedans? C'est presque trop beau pour être vrai. Attends ici pendant que je discute de la situation avec mon équipage. Blablabla. Lieutenant, dispersez la foule, nous avons besoin d'espace. Oui, capitaine. Sauf le vieil homme et le gamin qui sont passés par la porte. Et on va se battre, hein? Des pirates, il ne manquait plus qu'eux. Des voleurs, tous autant qu'ils sont. Il n'y a rien à voir ici, vous avez entendu le capitaine. Vous n'avez pas à rentrer chez vous, mais vous devrez quand même rentrer chez vous. C'est peut-être votre dernière chance de le faire. Ah! Hostile! Ok, circulez. Ok, ils sont hostiles ces personnes-là, on va se battre, hein? On va se battre. Attention, que me veut-il? Après discussion, voici ma conclusion. Pour avoir participé au vol d'artefacts dimensionnels, les habitants de cette planète seront tous arrêtés. Quoi? Du moins, c'est ce que nous devrions faire. Ah, je préfère. Mais ce jeune homme nous a aidé à localiser ce pirate. Il a même été jusqu'à vaincre leur chef. Je n'inclurai donc pas le vol dans mon rapport. Pour ma part, je ne pense pas qu'il faille enquêter davantage. Nous allons fermer ces donjons, quoi qu'il en soit. Leur utilisation sera à présent considérée comme illégale. Tu es entré en contact avec des cultures d'autres dimensions. Nous ne pouvons donc pas te laisser partir comme si de rien n'était. Je voulais effacer ta mémoire, mais c'est une pratique interdite. Bon, ouais, c'est pas très fun, quoi. Pourquoi? Oh, une utilisation douteuse sur une planète entière. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Tu vas devoir adhérer au TCD, le traité de commerce dimensionnel. Tu pourras alors commercer légalement avec d'autres dimensions. Ton introduction et celle de ta planète prendront un peu de temps.
pour le moment, préviens tes congénères des changements à venir. Très bien, l'opération est plutôt une réussite. Nous reviendrons avec les documents du TCD sous peu. Je n'ai pas à dire que c'est un plaisir, mais j'ai connu pire. Oh, une dernière chose. Ne dis à personne que tu as visité les donjons. Ils seront obligés d'incarcérer tout le monde, etc., etc. Très bien, donc bonne journée. Ok, donc là on rentre dans un bail de commerce avec d'autres planètes. Et du coup, est-ce qu'on va débloquer d'autres planètes pour aller dans d'autres donjons, d'autres planètes? Ce serait ouf, ce serait ouf. Donc je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais il semble que tu as rendu un fier service à la planète, Will. Toutefois, s'il y a une prochaine fois, je voudrais que tu m'écoutes et que tu restes à la maison. C'est trop d'émotion pour mes vieux os. Ouais, mais bon, nous on est un aventurier quoi. Donc rentrons en ville, transmettons la bonne nouvelle, etc. etc. Donc voilà, accélère, 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 donc ça on s'en fout. Voilà, donc ça c'est des noms. Ah, la musique est cool quand même. La musique est vraiment cool. Ah, donc voilà. Et du coup, j'arrive en ville. Je vends déjà... Est-ce que j'ai eu des objets à vendre? C'est ça la question. J'ai rien eu à vendre, très bien. Et du coup, je vais voir déjà juste quelques... Merde. Ça, je voulais faire. Ok. Donc là, on est là. Très bien. Donc la porte est ouverte. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai débloqué? Est-ce que j'ai débloqué un truc? Est-ce que j'ai terminé le jeu comme un boss ou pas? Est-ce que j'ai terminé le jeu comme un boss? Je pense que j'ai terminé le jeu comme un boss, hein. Genre, là, je pense que c'est une fin de jeu, hein. Putain, ça allait trop vite, j'aurais trop aimé, jouer plus, quoi. Donc là, j'ai acheté tous les trucs de décoration. Fais chier, me dis pas que j'ai fini le jeu, là. Putain! Mais non! Là, je peux juste acheter les trucs des lucioles. Guideront l'utilisateur au prochain étage du techno-donjon. Donc révélant la carte, blablabla, donc là tu peux prendre des trucs pour faire la carte, etc. Donc ça c'est une potion qui me restaure toute ma vie, ok. Non, je me suis trompé, je voulais pas acheter ça. Toujours 10, hein. Voilà, ça on s'en fout, ouais, c'est bon, ça va saouler. Je peux même pas l'acheter. Putain, non, mais tu vois que j'ai fini le jeu. T'as eu les crédits, bien sûr que c'est la fin. Mais une fois que j'ai terminé le jeu là. Je pense que j'ai terminé le jeu, hein. Je pense que c'est une fin de jeu, hein. Donc là je peux plus aller là, je peux retourner dans ceux-là. Ouais, c'est une fin de jeu les gars, hein. C'est une fin de jeu les potes. Donc j'ai tous les objets. J'ai tous les objets d'ici, ouais, j'ai tous les objets là. J'ai tous les objets de la forêt. J'ai tous les objets des golems. J'ai tous les objets de partout, juste les armes que j'ai pas encore. Bon, j'ai pas encore fait tous les équipements, hein, bien sûr. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'équipements à faire, etc. Mais du coup ouais, j'ai terminé le jeu. Putain, ça allait trop vite. Encore! Quelque peu déçu de cette fin. Écoutez, tant pis, nous avons donc terminé le jeu. Ce sera donc la fin de cette petite VOD YouTube pour vous tous qui venez de regarder cette vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé ce petit let's play sur YouTube parce que moi j'ai vraiment kiffé le jeu. Quoique un peu court, donc déçu que ce soit aussi court parce que moi je m'attendais à un peu plus de difficultés, un peu plus de trucs. Genre comme Hunter the Gungeon par exemple où t'as à la fin t'as un mode expert, t'as des trucs où tu peux changer le mode difficulté de ouf et t'as d'autres donjons qui s'ajoutent, etc. Donc bref, Hunter the Gungeon j'ai passé facilement 100 heures, tu vois, facilement. Moonlighter, j'ai passé quoi, 15 heures, 20 heures max, 20 heures max et j'ai terminé le jeu. Donc il y a encore le challenge de le faire en très difficile, mais tu vois, une fois que t'as fini le jeu, tu dis bah j'ai fini, tu vois, genre le mode très difficile va juste rajouter de la difficulté au jeu et c'est tout, tu vois. Et c'est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, très bon jeu quand même, que je vous recommande, que je trouve extrêmement cool. Peut-être que je vais tester le jeu en utilisant l'épée, en utilisant d'autres armes, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était fun. Et voilà, bisous YouTube.